Ben, après 12 jours en Martinique, c'est bien de repartir là. Non, je suis pressé de refaire un peu de solo. Un peu de tension, mais je sais que tout ça va se remettre bien dès que la ligne sera coupée. On a un début de course qui nous permet aussi de rentrer dans le rythme de la course tout doucement. Je pense qu'on va avoir un beau départ en plus là en Bedford-de-France. Donc, je suis plutôt impatient là de prendre le départ. Ouais. L'année a été bien remplie. Dès que ça régate, j'ai envie de régater quoi. Après je verrai bien aussi l'état de forme sur l'eau, parce que c'est vrai que la Transat Jacques Vabre elle a été intense. Donc, je ferai aussi un peu comme je le sens. Je verrai aussi un peu comment se comporte la concurrence évidemment. Et puis l'idée c'est déjà de faire une belle trace, d'arriver à Lorient. On sait que ça va être une transat rapide. Mais oui, c'est sûr que s'il y a une opportunité d'en gagner une, je le ferai. Ouais, ça va être une première en solo, un vrai solo pour le coup. J'ai déjà manœuvré un peu le bateau tout seul et en équipage réduit, mais c'est vrai que là c'est un vrai retour au solo après. Depuis un an, mais avec mon ancien bateau, donc ça va être un peu une découverte et un petit apprentissage entre moi et ce nouveau bateau. Ouais.